L'exposition Casablanca vue d'en haut est née en 2020. Elle est née de l'ambition de pouvoir réaimer à nouveau ma ville. Casablanca, il y a un proverbe qui dit « Je t'aime et je te déteste à la fois ». Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Ça fait 10 ans que j'habite à Marrakech et je sentais mon appartenance partir de Casa. J'avais un besoin de réaimer à nouveau cette ville et j'ai eu l'idée de ce projet Casablanca vue d'en haut. Étant passionné de photos et d'architecture, j'ai eu l'opportunité de monter pour la première fois sur un toit et de voir Casablanca différemment. Casablanca en hauteur, en immersion, et de lui rendre hommage. J'ai continué ce projet pendant 2 ans à la recherche des différents immeubles, des plus anciens, comme l'Excelsior, comme l'immeuble Liberté, comme je suis tombé sur la Villa Carl Fick, plein d'immeubles et de villas qui ont des histoires. Casablanca, c'est par le biais de son histoire. Elle a un côté intemporel, elle a un côté où en fait on ne peut pas s'y détacher. Vous aurez beau partir à 3000 km du Maroc ou de Casa, on restera toujours attaché à cette ville. Et le but de cette exposition, c'est de pouvoir rendre hommage au patrimoine architectural casablancais. Quelques fois par an, il y a des immeubles, soit qui sont en cours de destruction, qui sont historiques. Et vraiment, le but, c'est de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, le public, à parcourir la ville de Casa, à regarder autour de soi et se rendre compte de la beauté qu'on a de ces anciens immeubles qui sont chargés d'histoire. En fait, on vit vraiment dans un musée à ciel ouvert. On est vraiment dans un musée chargé d'histoire. Et j'encourage les gens vraiment à pouvoir marcher, laisser la voiture de côté et à se rendre compte de la beauté de ville dans laquelle on est. L'exposition est prévue de continuer dans d'autres villes. Je ne dirai pas forcément lesquelles, mais Inch'Allah, ce sera prévu de continuer dans d'autres villes et continuer aussi Casa avec plus d'immeubles vus d'en haut. Je peux rajouter un petit truc, Moumkine ? Alors, j'ai choisi la hauteur pour avoir ce sentiment d'immersion. J'ai choisi exprès que des jours où on a des nuages pour avoir le côté lourd de Casa. Et avec le côté lourd, c'est le côté lourd qu'on a le sentiment assez pesant et à la fois lui rendre hommage avec le noir et blanc, avec l'intemporalité, pour ne pas savoir où en fait on se situe. Est-ce que c'est des photos qui datent de 50 ans, 60 ans, ou c'est des photos qui ont été faites il y a un an? Et c'est la galerie Art First qui m'a accompagné depuis un an pour continuer ce projet et me guider. Ça fait 2 ans que je le fais depuis 2020 et on est ici grâce à la fondation BMCI, car pour la première fois, IMECEN, IZ, un photographe au Maroc. Cet événement, qui est l'exposition Casablanca vue d'en haut de l'artiste Ednan Zmema, marque encore une fois le soutien de la BMCI, de sa fondation pour la culture, qu'elle mène depuis de nombreuses années. Je ne vous cache pas que le jour où on a découvert les œuvres du jeune talent Ednan Zmema, on a tous eu un coup de cœur pour les prises de vue qui mettent en valeur et qui présentent le patrimoine architectural de la ville de Casablanca. Nous sommes nous-mêmes installés dans un siège qui est classé au patrimoine et vraiment cette exposition nous a parlé. On a donc fait le choix de soutenir la galeriste Art First dans son choix de valoriser Ednan Zmema dans une exposition qui va donc durer du 12 mai au 12 juin. Et c'est donc un objectif double pour notre fondation, c'est soutenir un jeune talent. On a compris quand on l'a vu qu'il avait du talent et du potentiel, et c'est aussi mettre en valeur et valoriser le patrimoine de notre ville. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit cet événement, s'inscrit dans le cadre des journées du patrimoine qui démarrent demain dans la ville de Casablanca. Je trouve que déjà le lieu est magnifique, donc je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est un lieu qui se prête bien à accueillir ce genre d'exposition et que la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui ont vraiment trouvé que les œuvres étaient de très grande qualité, ce qui témoigne du talent de ce jeune artiste Ednan, qu'on espère vraiment rayonner à Casa, dans les autres villes et au-delà. On se trouve aujourd'hui dans ce centre d'art qui a ouvert récemment pour le vernissage d'une très belle exposition, Casablanca vue d'en haut, organisée dans le cadre des Journées du patrimoine de Casablanca, qui vont reprendre cette année à partir
du 13 mai, le 13, le 14 et le 15 mai, après 2 années d'interruption due à la pandémie du Covid. Cette belle exposition permet d'explorer Casablanca d'une manière différente, puisqu'elle nous permet de prendre de la hauteur et de découvrir la beauté architecturale et urbanistique de la ville vue d'en haut, comme si on survolait à travers le ciel la ville de Casablanca. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette exposition. D'abord le noir et le blanc, l'esthétique, et puis le graphisme, manière de prendre les images vues d'en haut permet de montrer aussi que Casablanca est une ville très graphique et très photogénique, puisqu'elle englobe un patrimoine architectural très très riche et très diversifié. Casablanca vue d'en haut, la vérité c'est un rêve, c'est splendide. Ce qu'a fait vraiment Adnan Zmama, c'est qu'il nous a emportés ailleurs, mais on est encore à Casablanca, c'est-à-dire c'est une exposition à la fois artistique, culturelle, historique. On arrive à voir les endroits emblématiques de la ville au moment où elle a été, on va dire, construite à une époque intéressante du Maroc. Donc c'est un voyage vers l'histoire, vers notre identité, notre héritage, le parcours du Marocain. C'est pour ça que cette exposition est ultimement intéressante et qu'elle doit être vue par tous les Marocains et les amis du Maroc, parce que ça permet vraiment de rapprocher tout le monde de cette ville emblématique, Casablanca. Et je trouve que Adnan Zmama a fait un très beau travail en valorisant la ville, parce que c'est une photo, mais pas uniquement la photo, mais l'histoire, l'art derrière, la culture, le parcours. Adnan, il a donné cet avant-goût, on va dire, et certainement il y aura des projets qui suivront. En tout cas, moi je serai la première à être enthousiaste à d'autres projets, et peut-être que ça sera Casablanca vue d'en haut, peut-être que ça sera d'autres villes vues d'en haut, mais en tout cas c'est lui l'initiateur de ce mouvement qui est quand même une innovation en soi, et ça c'est extrêmement intéressant.